On peut être dans une république décentralisée, dans une république où il y aura davantage de décentralisation, de responsabilité donnée aux collectivités territoriales, et en même temps, monsieur le député maire, vous nous le demandiez, et en même temps, voir l'État assumer ses responsabilités. Cette OIN s'appuiera sur les outils d'aménagement existants, mais elle nécessite un opérateur qui pilote et coordonne son action. Ce sera, monsieur le président Thierry Lajoie, la mission de l'Agence foncière technique de la région parisienne, opérateur historique de l'État, renommé Grand Paris Aménagement. Cette agence sera organisée pour mieux associer les collectivités, et en particulier la région. L'objectif est d'accélérer, sans mettre en cause, bien entendu, les projets existants. La mission de préfiguration, confiée au président de Grand Paris Aménagement, définira les conditions de rapprochement avec d'autres établissements publics d'aménagement. C'est dans ce même souci d'efficacité et de rationalisation que l'établissement public foncier d'Île-de-France deviendra au printemps 2015 le seul établissement public foncier de la région.